chaise bien roulée à petite canaille. Le quartier fait du chien, s'il sait point se servir de son engin. Le livre de l'amour est long et ça. Buvez tant que vous avez la jeunesse et l'argent. Thank you.
En quoi puis-je vous être utile, monsieur ? Cet endroit est chargé d'histoire. Savez-vous à qui il appartenait avant moi ? Au baron Rossel. Il a été contraint par la faillite de vendre le domaine à la duchesse. Le baron l'avait lui-même racheté à monsieur Bolius le bourreau, un homme originaire de Kedwen, haut en couleur. C'était un vrai bourreau ? Lui, non. Mais il tenait le titre de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, un simple coupe-jarret qui s'était élevé au rang de bourreau ducal de Beauclair. Il éprouvait une véritable passion pour son métier, semble-t-il, au point qu'on raconte qu'il a tranché plus de têtes qu'il n'y a de grappes dans les vignobles du duché. Jamais il n'hésitait, jamais il ne manquait son coup. Pour le récompenser de son service exemplaire, le duc lui accorda un titre et un domaine. Monsieur Bolius, pour sa part, était un ingénieur à la retraite qui s'était installé au domaine pour devenir vigneron. Hélas, le pauvre homme fut frappé d'une étrange affliction qui le priva d'odorat et de goût. Pis encore, il ne pouvait plus boire d'alcool. C'est triste. Il a arrêté de produire du vin ? Au contraire, il a redoublé d'efforts. Ses bals étaient renommés dans toute la région. On venait de loin pour goûter son vin et, en voyant ses invités se délecter, M. Bolius se réjouissait en son fort intérieur. Voilà quel genre d'homme il était. Merci. Mes devoirs m'appellent à nouveau. À bientôt. Chasser la hanse de Philibert Quatre-Doigts. Vous avez toute ma gratitude.